fait risque de brûler ses vêtements. Diminue le réglage, mets à deux. Le réglage ne marche pas, c'est ce que j'ai constaté. Ah, Tide. Si, peut-être aujourd'hui, hein, je ne souhaite pas. Nous sortons dans cette maison. Allons-nous partir au village où j'ai les dentines. C'est quoi cette question? On peut bien partir, ou papa Do peut décider que nous partions. Il peut dire qu'il ne veut plus de nous. Oh, comment ça? Alors fais le choix. Allons-nous rentrer au village ou aller chez le dentier? Ça n'arrivera jamais. Papa Do nous aime beaucoup. Pourquoi retourner au village? Tu sais, un semeur, quand il sème une plante, quelle que soit la plante, un manguier ou autre, il s'attend à quoi? Oh, il s'attend à la récolte? Pourquoi toutes ces questions? Laisse-moi travailler. Papa Do. Est vraiment un homme bon. Il a vraiment beaucoup contribué dans notre famille. Même si notre maman est toujours jusqu'à présent au village. Je ne crois pas qu'elle s'habille toujours de la même façon avec les autres femmes du village. On lui envoie toujours l'argent, les habits. Je veux dire qu'elle vit très bien. Du côté de nos tantes, elles se battent toujours. Elles se forcent de bien vivre. Mais nous n'avons pas une très bonne famille. Réfléchis sur ce que je t'avais dit hier la nuit. Je sais que ce n'est pas du tout facile. Essaye seulement. Ma sœur Flo, mais de quel raisonnement, bon Dieu, tu es en train de parler? Je t'avais déjà répondu, je ne le ferai pas. Je n'arriverai jamais, je ne peux pas, ma sœur. Tu sais qu'il y a des fois, je me pose des questions, si tu es vraiment ma sœur biologique. La chair de ma chair. Parce que si tu l'étais, tu n'allais pas me demander de faire ça. Que je le dise à qui? Que je le dise à une étrangère? J'ai dit, je ne veux pas le faire, arrête de me déranger, t'en supplie, je ne le ferai pas. Laisse-moi tranquille. Trouve-toi une autre personne, en tout cas oublie-moi, je t'en supplie. Oh, mais regarde. Ces derniers temps, j'ai un problème avec mes yeux. Je t'aurais déjà bien prévenu de commencer à signaler à Adèle avant de sortir qu'elle te fasse tout ça. Regarde. Ah, que je regarde quoi? Je ne vois rien du tout. J'ai dit de ce côté. Je ne vois rien du tout. Il faut commencer à signaler à Adèle avant qu'elle ne sorte. Qu'elle commence à bien te contrôler. Moi, je ne vois rien du tout jusque-là. Je vois juste un gonflement, mais... Oh, c'est comme s'il y a quelque chose. Je n'arrive plus à bien voir. J'ai déjà grandi. Je n'arrive pas à détecter. Laisse seulement. Je crois que c'est un chic. Essaye de l'enlever. Attends, Adèle. Attends, Adèle. Hein? Elle a des bons yeux pour voir. Bonjour, madame. Dis-lui bonjour. Hey, madame, viens t'asseoir, s'il te plaît. Viens t'asseoir. Papa, je ne peux pas m'asseoir. Je parle et puis je pars. J'ai plein de chats fouettés. Je dois partir. Mais maman, tu nous rends visite et tu ne veux pas t'asseoir. Toi, mets-toi, papa. Toi, tu as pris de l'âge. Moi, je suis encore très jeune. Si je finis, je pars. C'est vrai, ça. Ok, pas de problème. Aïe, aïe, aïe. Papa Formol. Madame. Tu te souviens encore? Quand votre frère était mort, celui qui était mon beau-frère, vous avez mis ses enfants dehors. Qu'est-ce que tu étais en train de dire, toi particulièrement? Qu'est-ce que tu avais dit à ma grande sœur? Que je suis incapable d'élever les enfants? Je n'ai rien, prenez vos enfants et partez d'ici. Mon frère est déjà parti, prenez ses enfants comme cadeau. Je ne vais pas refuser, j'avais pris ses enfants. Si aujourd'hui ma sœur se retrouve au village, c'est entièrement de ta faute. J'ai élevé ses enfants moi-même et je mariais Flore. Tu avais pris ta part en tant que père, ne peux-tu pas laisser Flore tranquille? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas chez Flore? Tu avais déjà mangé la dot, tu avais pris la costume. Qu'est-ce que tu vas faire dans sa maison? Laisse-la tranquille, je t'en supplie. Hein, papa?
Madame. Tantine. Oh, toi, écoute, laisse-moi parler. Ne dis rien, laisse-moi parler. Madame, premièrement, j'aimerais dire ceci. Essaye de bien réfléchir. Avant de dire quoi que ce soit à une grande personne, tu dois tourner ta langue cette fois. Et tu n'as pas intérêt à me couper la parole. Ce que tu dois faire maintenant, c'est m'écouter très bien. Toi, reste calme. Papa Jean! Hé, mais qu'est-ce qu'il a fait ici? Oh, il a mis de l'eau ici. Ok. Hé, en tout cas, mais Papa Jean, comment tu fais ce genre de choses? Où es-tu d'abord? Hé, il n'a rempli qu'un seul récipient. Ah, c'est difficile. Ma copine! Ma chère, la seule qui me reste. Hé! Oh mon Dieu, ma copine, tu me rends faible. Comment tu vas? Ça va? Hé, hey, tu as de la chance, hein. Je voulais vraiment sortir à peine. Pourtant, je t'ai appelé, tu m'as dit que tu as la chance. Je viens aussi de recevoir un appel. Ma chère, tu n'allais pas me faire ça, sinon j'allais sérieusement me fâcher. Sérieux, on peut s'asseoir? Ma copine, j'ai à te dire sérieusement. Hé, hey, ma copine. En personne, ma chère. Hé, hey, si j'avais un grand frère, j'allais te le donner, ma copine. T'es drôle, toi. Je veux t'offrir Junior. C'est qui Junior? Mais mon frère aîné. Lequel? Hey, celui qui est à Luanda. Oh bon, il s'appelle Junior. Mais bien sûr, un beau garçon de sa maman. Oui. Hé, hey, toi, tu n'as pas commenté ma photo que j'ai publiée hier. Tu es vraiment méchante, toi. Ma copine, je ne me connais même plus. J'ai trop de problèmes tels que tu me vois. Je suis devenue philosophe, ma copine. Je n'ai même plus le temps pour consulter ma boîte internet. Ma copine, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Cindy, ma chère, telle que tu me vois ici, ma chère, je ne sais pas, je ne comprends plus ma soeur Flore. Donc, je ne comprends plus rien. Des fois, quand je me regarde, je cherche à comprendre ce qui se passe réellement, mais que dalle! Flore peut s'imaginer comme ça, t'envoyer quelque part où elle voit les dangers. Exemple, un jour, j'étais comme ça à la maison, avec une amie qui venait de Luanda. Je ne savais même pas qu'elle allait venir. En fait, elle m'avait surprise. J'étais fauchée. J'ai demandé à Flore un peu d'argent. Je lui ai dit, donne-moi un peu d'argent, je vais acheter à boire pour mon ami. Elle m'a dit, va dans ma chambre, ouvre mon sac. Tu verras mon porte-monnaie et prends l'argent. Ma chère, en entrant, je trouvais Papa Do avec sa culotte de chambre. Jésus! Ben, je me suis dit, Flore vient à peine de sortir de sa chambre. Bon, en sortant, je me suis dit, il est dans sa chambre, il a le plein droit de mettre sa culotte. Le jour suivant, je trouvais Papa Do qui appliquait la lotion. La même scène, ma chère. J'ai trouvé Papa Do en train d'appliquer la lotion. Bon, je pris ce que je devais prendre, mais je n'étais pas à l'aise. Je n'ai pas aimé. Je le trouvais bizarre. J'ai parlé avec Flore. Ah, Flore, comment peux-tu avoir le courage de m'envoyer dans la chambre tout en sachant que ton mari vient de prendre son bain et il est en train de s'habiller? Elle me dira, ça fait quoi? Mon mari t'appartient aussi? Ses enfants, pour qui parler maintenant? Ce sont aussi mes enfants. Oui, c'est lui leur père. C'est vraiment la réalité. Écoute-moi, madame. Mon frère, avant de mourir, il m'avait laissé la charge de ses enfants. Alors, si vous vous êtes décidé de prendre soin de ses enfants, qu'est-ce que moi je dois faire? Je ne vois pas ce qui va m'empêcher de bénéficier de l'argent de mes enfants. Quand elles souffraient, c'était nos enfants. Maintenant qu'elles sont riches, tu veux t'emparer de leur argent. Tu n'as même pas honte de toi. Mais c'est lui leur père. Non, ne parle pas comme ça. La personne qui vous occupez. Appartient à son petit frère. Vous avez mis ses propres enfants dans la rue pour vous réjouir de ce qui ne vous appartient pas. Tantine, tu peux comprendre la raison. Peux-tu nous insulter? C'est ce que tu veux? Marie ta fille Adèle, bouffe la dent. Et ne cite pas Adèle. N'ose pas citer Adèle. Madame, je ne suis pas ici pour perdre mon temps. Laisse-moi te dire. Donc tu t'es décidé de venir chez moi pour m'insulter et me traiter de tous les noms. Tu es une femme, tu ne peux pas me parler sur ces temps. Écoute, si toi tu n'es pas marié, ne cherche pas, regarde. Et capable d'élever tes propres enfants. Tu dois parler de toi. Ne dois-je pas parler? Tantine, tu es une femme insensée. Le jour où il va mourir, les gens vont s'emparer de ses pensées et tu n'auras rien. Je te dis, elle est une bonne mère. Tantine, c'est moi que tu insultes. Je te parlais parce que tu me joues aux paroles. Premièrement, madame, telle que tu es là,
tu n'as pas un mari fixe et des enfants. Tu es une prostituée. Si je devais venir prostituée, c'est pour élever les enfants de ton frère que tu as fait chez toi. Sache que tu es vraiment un homme. Allez, vas-y, sors d'ici. Tu veux partir parce que tu veux t'en aller. Remets encore ton frère là-bas. Je vais manger cet argent comme je le veux. Regardez-moi tes sorciers. Tu as pendu les enfants de ton frère. Dégage, dégage. Ne viens plus ici. C'est tout ce que je t'ai venu te dire. Je ne veux plus jamais te voir chez Flore. Si tu n'as pas d'argent pour prendre le petit déjeuner, attends-la ici à la maison. Sache ne que remets Flore, plus tes pattes là-bas. Flore est ma fille. Sorti, je mange un sorcier. Vas-y, dégage. Tu es bête. Dégage, tu es bête. Bête. Oh, vas-y. Tu es bête. Regarde. Et pas bête comme toi. Je vous et assure. Toute ta beauté merci. Partie à côté. Merci. Je veux lever les enfants de ton frère. La ferme. Que tu m'avais chassé. Va-t'en. Tu es vraiment bête. Irresponsable. Tu as eu vraiment de la chance. Sinon, j'allais te gorger comme une chèvre. Viens d'abord te mettre ici. Comment peut-elle me parler comme ça? Pourquoi se rabaisser comme ça au quartier? Maintenant, ils ont compris que cette parcelle n'est pas la nôtre. Mets-toi d'abord là. Écoute, ne répète pas ce que tu viens de dire. Cette parcelle m'appartient. Retiens ça. N'as-tu pas entendu ce qu'elle est en train de dire ici? Comment elle a pu t'injurier? Est-ce qu'elle te connaît très bien? On m'insulte pour rien. En tout cas, pour rien du tout. Juste à cause de toi. N'a-t-elle jamais entendu parler des mamans des Oshoué? Est-ce qu'elle sait vraiment de quoi elle parle? Toi, ma femme, comment elle a pu oser? Bon, tu as aussi raison. Et j'avais laissé passer. Mais cette fois-ci, ma chère, je ne comprends rien. Tu vois, quand les factures de la régie des eaux et de la SNEL viennent, souvent on les met dans leur chambre. Florent m'envoie comme d'habitude. Il m'a demandé de le prendre parce qu'on doit payer les factures. Je suis allée prendre et je l'ai mis au salon. Parce que c'est son mari qui devait donner l'argent pour qu'on aille payer les factures. Après ça, elle m'a demandé de nettoyer leur chambre. Je dis ok, c'est bon. Quand je suis partie là-bas, j'ai trouvé papa d'eau avec un slip. Je te dis, avec un boxeur. Je palpitais et je me suis retournée pour sortir de la chambre. Il m'a retenue. Ah, ma copine avait quelle intention? Je te jure, il a pris ma main. Oh, et après, il t'avait dit quoi? Il a pris ma main. J'étais en train de dire, non, papa Do, arrête, je t'en supplie, il m'a laissé. Et je me suis dit, Flore est ma grande sœur. Je ne peux jamais garder ça pour moi. J'ai appelé Flore. Ce n'était pas le même jour, mais le jour qui a suivi. J'ai expliqué à Flore, mais elle me dira... Alors ça fait quoi? Il n'est pas seulement mon mari, et si un jour je mourrai? Hein? Bon, elle a aussi raison. Bon, ton dos et le mari de Flore, il est aussi ton mari. Pas dans les mauvais sens, mais je crois que ce qu'elle fait là, ce n'est pas vraiment du tout vraiment bien. Au fait, mais... Cindy, tel que tu me vois, je n'ai même plus le goût de rester dans cette maison. La joie de vivre dans cette maison est morte. Sur base de quel problème? Je retourner chez ma tante maternelle, mais dans quelles conditions, ma chère? Hé, ma copine, ce n'est pas grave. C'est pourquoi tu te soucies vraiment comme ça? Tu sais, ma chère, aujourd'hui, c'est son mari qui fait ces choses. Mais demain, les gens ne comprendront pas et ce sera ma faute. Si elle ose parler à papa Do d'une manière impolie, c'est moi qui serai faute. Regarde comment tu es, toi. Enlève ces idées-là. Et je jure sur la tombe de mon père, si elle continue comme ça, je partirai. Ah, ne quitte pas. Comment va ta soeur, Flore? Elle m'avait dit de la tresser, je viendrai là-bas demain. Toi, si tu es compliqué, si on t'avait donné l'argent, tu allais sauter pour aller faire du tout. Je serai là-bas demain et je veux la tresser. Un très beau modèle que j'ai vu sur Facebook. Alors moi, ma copine. Bien sûr, non, toi je veux te le faire avec des plantes. Je l'ai vu dans les clips, ma chérie. On peut aller ensemble, n'est-ce pas? Ok, d'accord. Et vite, chaton. Ma copine de cœur, attends, je vais t'offrir deux bières aujourd'hui pour te déstresser un peu. Ils étaient tous ici, grand frère. Ah bon? J'ai fait quand même un effort de les accueillir, bien que tu étais absent. Ils ont dit qu'ils doivent prendre les colis qu'ils ont laissés avant d'aller en Angola. Ils ont fait presque une journée, je pense. Chez nous, ils n'ont fait que 35 minutes. Et puis, ils sont partis. Mais, comme je te l'avais dit, dès qu'ils arrivent, tu les amènes directement chez moi. Oui, tu as bien fait, mais ils devaient d'abord venir chez moi. Je n'étais pas aussi à la maison, j'étais allé voir quelqu'un, mais je savais que je n'allais pas traîner. Je savais que tu viendras avec eux chez moi. C'est pourquoi je t'ai vite montré. Ah, hein? Ils avaient dit qu'ils étaient pressés. Mais toi, pourquoi tu ne parles pas? Elle est comme ça depuis le matin, mais moi je ne la comprends pas. Grande sœur. Elle n'a pas mangé. J'ai faim. Quoi? J'ai faim. Tu as faim? Tu as faim? Pressé, toi tu as faim. Elle a déjà mangé. Mais l'enfant dit autre chose, pourquoi tu veux mentir? Elle a mangé. N'est-ce pas que tu as mangé? Donc, elle avait déjà mangé. Oh, Yannou! Comment tu veux que ça finisse? On doit pas nous approvisionner. Regarde comment elle est noire comme son vilain de père. J'ai faim. Tu n'as pas mangé, c'est imbécile. C'est quoi? Si tu insultes l'enfant comme ça, sache qu'elle va copier et elle va aussi insulter. C'est ça l'éducation que tu donnes à l'enfant? Hein?
Donc, la manière dont tu discutes avec ton mari, allez, maintenant tu veux inculquer ses habitudes à l'enfant. Je suis désolée. Non, 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 c'est pas comme ça. Hein? Je dis pardon. Tu me demandes pardon en même temps quand tu restes ici avec l'enfant, tu l'insultes et lorsque l'enfant va commencer à insulter, tu seras la première à dire que l'enfant est impoli, qu'elle est mal éduquée. C'est elle-même qui l'a détruit. Oui, c'est elle qui l'a détruit. Et bien sûr, c'est toi-même qui l'a détruit. Ok, d'accord. Dès qu'ils sont en vacances, amène-la à la maison. Okay. Grand frère, j'ai quelque chose à te dire. Je suis vraiment content de te voir ici. Mm-hmm. Parce que la façon dont je vois les choses, je sens vraiment que tu es à la sécurité chez toi à la maison. En tout cas, ça demande que tu puisses avoir un garçon à tes côtés. Parce que au cas où il y aura une urgence, c'est moi qui pourrais intervenir. En tout cas, me laisser habiter ici, ce n'est pas une bonne idée. Mais de quoi est-ce que tu parles? C'est qu'il essaie de dire que Rachidi préfère habiter chez toi. Sais-tu pourquoi? Parce que chez toi là-bas, tu es entouré de filles. Sais-tu que des jeunes garçons sont très importants? Ils peuvent t'aider quand il y a coupure du courant, s'il y a un problème de maladie, s'il y a un problème de la régie des eaux. Par exemple, pour aller payer les factures, en tout cas, il te faut un garçon. Parce que toi, tu es un papa. C'est pourquoi je me t'ai dit non. J'ai essayé de parler avec papa, que Rachidi est mieux placé pour tout ça. Ok. C'est vraiment ça. Écoutez un peu, c'est comme si vous commenciez à prendre vos propres décisions. Vous avez parlé, pris des décisions. Et pour que Rachidi vienne chez moi, est-ce que c'est vous qui devez décider que Rachidi vienne vivre chez moi? C'est moi qui dois vous proposer de dire que Rachidi, tu dois venir vivre chez moi. J'ai un petit problème, tu dois être là avec moi. Mais comment est-ce que... Non, écoute-moi. Écoute, c'est moi qui parle. Si je dois vivre avec Rachidi, qu'est-ce que tu vas me rappeler? Tantine japonaise. Mon petit, comment tu vas? Très bien. Hé, hey, t'es ici depuis quand? J'étais arrivé depuis hier. C'est depuis hier que nous étions arrivés au parking. Je n'ai pas voulu me promener la nuit. Alors, j'ai passé la nuit au parking. C'est pourquoi je suis venu le matin. Et depuis hier, tu n'as rien mangé? Je n'ai pas encore mangé. Alors viens, entre. Je suis pressé, tantine japonaise. Arrête ça, mon petit. Pourquoi tu es pressé comme ça? En fait, je suis venu avec beaucoup de Sarah? Mangé. Tu sais, ma mère m'avait demandé de laisser des sacs. Igo, Maé. Oh, comment vas-tu? Tu as pris. Bien sûr. Elle m'a dit de laisser des sacs de chouchou. Elle m'avait aussi remis deux paniers. Comment elle va? C'est comment avec tes colis? Dis-moi d'abord, comment elle va? Ma grande sœur, elle va bien? Elle va bien. Tout le monde au village va très bien. On avait appris que la grande sœur souffrait de pire. Elle était déjà guérie. Malheureusement, je dois partir. Je laissais mes marchandises tout seul. Vous savez, je perds des voleurs. J'aimerais que vous me prêtiez l'argent pour le parking. Et quand je serai de retour, je répondrai à toutes vos questions par rapport au village. Hein? Mais je dois prendre les devants. Et surtout pour, hein, tu vois, toi tu es souvent Rachidi, grand frère. J'aimerais vous dire une chose. Celui qui doit décider de qui doit venir chez moi, c'est bien moi. Je n'ai interdit personne entre vous deux de venir me rendre visite à la maison. Si vous avez un problème, venez chez moi à la maison, c'est votre maison. Mais cela ne veut pas dire que vous devez prendre des décisions à ma place. Mais qu'est-ce que cela signifie, grand frère? Écoute, ne blague pas avec moi. Si quelqu'un doit habiter chez moi, c'est moi qui dois décider. Avant de venir chez toi, on doit d'abord avoir un problème. Quel problème? Nous sommes de ta famille, grand frère. Chez toi, il n'y a pas un garçon. Si aujourd'hui tu tombes malade, qui va te prendre? Mais pense pas à ça. Florence, je ne veux pas toutes ces mauvaises idées. Sache que chez moi, c'est moi qui fais la loi. Tel que je suis là, je suis très à l'aise. Je pense qu'on s'est bien compris. Donc tu es à l'aise parce que Tidé est là et Flore ta femme. Donc comme tu as Tidé, c'est bon. Je pense qu'on doit tourner. Tu ne peux pas ajouter quelqu'un chez toi à la maison. On le fait juste pour ta sécurité, hein. Oh, comment peux-tu héberger une autre personne à la place de ton frère? Oh, ça m'étonne vraiment que tu puisses t'énerver. En tout cas, je ne vois rien qui puisse t'énerver dans cette histoire. Rachidi. Donc, tu t'énerves parce qu'il faut ajouter Rachid à côté des filles. Enlève l'idée de venir vivre chez moi. N'y pense pas. Tu es très à l'aise ici. Je ne veux pas qu'il y ait des confusions dans mon foyer. Mais si c'est comme ça, demande à Tilly de retourner chez elle. Comme ça, tu vas très bien t'occuper d'elle là-bas. Comme ça, tu restes avec Flore. Très longtemps. Mais Rachid, tu peux commencer seulement aujourd'hui, non, mon grand frère? Mais qu'est-ce que tu fais comme ça, mon grand frère? Et qu'est-ce qui se passe avec toi? Je crois que vous commencez à me prendre pour votre ami. Je crois que maintenant, je vais commencer à vous interdire. Dépendre comme notre ami, comment, hein? On peut juste... J'ai dit, si ça continue comme ça, je vais vous interdire de venir chez moi. Nous interdire n'a rien à voir là-dedans. Tu refuses de voir la réalité en face. Tu n'as pas besoin de nous interdire. C'est anormal, je ne peux pas accepter ça. Comment peux-tu vivre avec la famille de ta femme? Tu refuses ta propre famille. Attends, si Flore tombe malade, dis de ne pas la toi, tu es obligé. Je m'en fais de venir vous rendre visite ici. Ah, c'est à toi de voir. Rachidi, je m'en fais de venir ici. Non, tu n'as pas mal fait, mais c'est seulement pour ton bien, grand frère. Ça va, c'est seulement pour ton bien. Là. C'est pour ça que tu es parti? Tu t'attendais à quoi? Qu'est-ce que tu veux? Comment peux-tu partir comme ça? Hé, toi vraiment, tu n'es pas. Mais qu'est-ce que tu veux?
On n'a pas besoin de te dire ce que tu as l'habitude de faire. Tu sais ce que tu fais souvent, grand frère. Tu le sais très bien. Suis-moi la voiture. Toi, reste. Laisse-moi, je pars. Il y a plein de trucs là-bas. Oui, il y a plein de trucs. Donnez-moi ce Il y a le foufou. Il y a des sacs de foufou. Je l'ai déjà dit. Tu dois partir. Je dois partir maintenant. Attends, alors je vais te trouver un petit rien. Comme ça, on va parler à ton retour. Toi, Sarah. Tu te souviens de ton ami qui partait souvent au champ avec sa mère? Qui? J'ai oublié. Laetitia Benanitou. Elle va bien. Que tu lui envoies tes photos. Je veux lui envoyer. Ici aussi, il n'y a pas d'habit. Je veux lui envoyer quand même. Elle est très mince. Ça ne va pas la contenir. Ça, c'est pour le parking. Le chariot, quand tu vas arriver ici. Merci. Hein? Quand tu vas arriver ici. Ça va. Je t'attends. Je viens, on va en parler. Il est toujours pressé. Vraiment. Yuma, je ne sais pas si tu me comprends. Je ne veux pas que l'argent aille chez une autre personne. Ne vois-tu pas que cet idée le fait, l'argent restera toujours entre nous deux et nous sommes du même sang. Il n'y aura personne qui pourra faire souffrir l'autre. Ah bon? Ça, c'est ta façon de réfléchir. C'est vraiment ça ta bonne réflexion? Tine, c'est ta petite sœur. Tu peux même demander à une autre personne de faire ça, mais pas à Tine. Moi, je suis comme ta sœur. Tine est ta petite sœur. La mienne aussi. Pour être sincère avec ton Flore, je ne suis pas d'accord, ma chérie. Je ne suis pas contente de toi. Et ce que tu es en train d'ignorer, c'est que ça t'humilie, hein. Et tout le monde peut remarquer, tout le monde peut voir noir sur blanc que tel que tu es là, tu es improductif. Donc tu ne peux pas avoir des enfants. C'est humiliant pour toi, ma chérie. Je te dis, 13 millions, tu n'aurais pas dû. Ça ne peut pas m'arriver parce que je sais très bien ce que je fais. Si je prends une autre personne, c'est moi qui serai la perdante. Cette autre personne, je ne connais pas son cœur. Je ne sais pas ce qu'il peut raisonner pour moi et pour Papa Do. Alors, Tide, tu la connais? Oui, Tide, je connais très bien son cœur. Elle est ma grande sœur. Non, tu ne connais pas son cœur, ma chérie. Le cœur de l'homme est tortué. Souviens-toi de Caïn. On est tous humains, ma chère. Je ne peux pas connaître le cœur de Tide. Mais Nyuma, tel que je suis là, j'ai très bien réfléchi. Ah bon? Je sais que je ne commets pas d'erreur. Ok, d'accord. Tide, j'ai déjà très bien causé avec elle. Je sais qu'elle est ma jeune sœur. Donc vous avez elle déjà tout planifié. Elle va faire ce que je vais la demander de faire. Tide ne me trahira pas. La fille de ma mère ne va pas me laisser souffrir. Oui. C'est ça ton défaut depuis qu'on était enfant. Tu n'entends jamais. Nyuma, moi je m'en vais. J'ai très bien entendu. Flore. Oh, papa Samy. Comment? Viens. Chérie, ça va, hein? Oui, ça va. Je suis sur le point de partir et toi, tu es venu. Tu m'as vu seulement arriver et toi, tu veux partir. Non, j'ai déjà traîné ici. Ah, oui. Comment ça va chez vous? Nous allons bien. Tout le monde s'est porté à merveille. Vous allez bien. Ok, ça va. Je suis content. Ça va, je t'ai venu vous rendre visite. Voilà, je m'en vais déjà. Chérie, j'arrive. Hein? Ok, c'est bon. Cette Flore. Parce qu'elle est incapable d'accoucher, elle veut prendre Tide pour la donner à Papa Do. Ce n'est pas possible. C'est vrai. Elle veut prendre Tide, sa petite sœur, pour la donner à Papa Do. Oui, à Papa Do, ami. Je n'ai jamais vu de toute ma vie. Et lui, Papa Do, s'il accepte de faire ça dans une même famille, tu as pris l'aîné et je vais prendre la cadette. Je ne sais pas, moi. Tu vois, nous, on comprend mal. Qui leur a dit qu'elle et Papa Do n'auront pas d'enfant? Hein? Dis, écoute, c'est Dieu qui donne les enfants. Tu ne peux pas prendre ta petite sœur pour la sacrifier chez Papa Do seulement pour quitter. Écoute, la vie est compliquée, hein? Ce qu'ils veulent faire là, ça n'existe pas. Je vais parler avec Papa Do. Ça n'existe pas, ça ne peut pas se faire. Ta propre petite sœur, même père, même mère. Je vais parler à Papa Do. Papa Do n'est pour rien, mon cher. Papa Do ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Tel que tu me vois ici, mon mari, la façon dont on vit dans cette maison, pas amener ma soeur ici, moi encore ta famille dans cette maison. On va rester ici rien que nous deux. Non, on ne peut pas mêler les membres de nos familles à ça, s'il te plaît. Écoute, toi qui parles avec elle, hein, comme aussi Madou ne sait rien, parle avec elle, essaie de la raisonner. Dis-lui de ne même pas essayer un jour de faire cette chose. Qu'elle n'ose pas, puisque qui a... Tide, sa petite sœur propre et elles sont nées d'un même père et d'une même mère. Et c'est vrai tout ça. Ah, dis. Arrête, ne me parle plus de cette histoire. Je reviens de l'aéroport.
Ah bon? Qui, il y a ma cousine. Avec son mari, devait venir. Ils ne sont pas venus, mais ils ont appelé, ils ont dit qu'ils vont venir le samedi. Tu vois l'autre chambre là. Eux ne peuvent pas dormir dans un flat. Il faut que tu la réserves pour eux. Oh. Attendu. Je peux bien la réserver, mais tu sais que ta soeur avait laissé ses bagages là-bas. Elle doit d'abord venir les chercher. Et si ton frère venait? Prends tous ses bagages, il l'a mêlé à côté. Mais... Écoute, je dis très bien que nos visiteurs, tous les deux vont venir habiter ici. Ils reviennent de Luanda, ils vont habiter avec nous ici. Mais moi, je n'ai aucun problème, j'ai seulement posé la question. Ok, c'est bon, je comprends. Et tu m'as rien amené? Que je t'amène quoi? Est-ce que celui que je t'avais amené hier soir, c'est déjà fini? Tu l'as laissé au frigo là-bas, tu n'as même pas tout fini. Mais il faut que ce frigo soit plein, n'est-ce pas, mon chéri? Tu dis... À manger. Je fais ton plat. C'est vrai? C'est bon. Japonaise est là. Japonaise? As-tu oublié l'endroit ou comment? Elle est ta tante ou japonaise? Japonaise n'a jamais été ma tante. Si elle est là, entre et dis-lui que Adèle la cherche. Adèle, il y a un problème? Oh, mais oui, bien sûr. Lequel? Oh, mais madame, appelle japonaise. Je ne suis pas ici pour toi, s'il te plaît. Appelle japonaise. Adèle, tu as enlevé tes pieds depuis chez vous jusqu'à venir ici pour appeler ma soeur aînée japonaise? Adèle, as-tu perdu la tête ou quoi? Peu importe la façon dont elle t'a offensé, dois-tu venir ici pour lui manquer du respect? Hein, maman? Sarah, donc maintenant, c'est moi que tu es en train de traiter d'impoli. Mais ce que ta grande soeur japonaise a fait là-bas chez mes parents, ça, tu ne le sais pas. C'est pourquoi moi, je suis venue vous expliquer. Elle était dans la maison de mes parents et elle les a insultés sans pudeur. Cette Flore, aujourd'hui, elle est mariée grâce à mes parents. En quoi d'abord? En quoi? Explique-moi très bien. Flora a reçu ce mariage de votre père. Il les avait chassés chez lui à la maison. Il les avait mis hors de chez lui. Et ma soeur avait mis. Attends d'abord. Ma soeur les avait récupérés. Elle les avait scolarisés. Pour que Flore se rencontre avec ce vieil homme et que vous prenez sa maison comme une toilette. Et aussi votre père allait là-bas tous les jours pour demander de l'argent pour se prendre en charge. Nous n'avons pas été éduqués de la sorte. Je crois que tu es venu pour autre chose. Or, c'est pour les bêtises de votre père. Et donc, si à ton tour, tu veux nous expliquer ces bêtises. Sarah, tu vois mon père que tu insultes. Et moi, sa fille qui suis ici, je ne suis pas venue ici pour toi. Tu sais quoi, j'avais planifié ma journée d'aujourd'hui. Tu ne faisais pas partout. Japonaise, oui, mais pas toi. Les gens vous voient là-bas chez Flore presque chaque jour pour aller mendier. On n'a pas mangé, on n'a pas mangé. Mais en quoi ça vous dérange si mon père le fait aussi? Si c'est le vôtre, nous ne sommes pas du tout comme ça. Avant de venir voir Japonaise, tu dois commencer par moi, sa jeune soeur. Crois-tu que tu veux venir manquer du respect à ma soeur aînée, à ma présence, et moi te laisser partir comme ça? Sarah, je vais te frapper. Quoi me frapper? Je vais te frapper, mais pas tu ici. Tu vois la Flore là? La fille à ma grande soeur, donc elle est ma fille. Celle que tu appelles grande soeur. Moi, accepter que tu viennes insulter ma soeur aînée ici. Non, sors. Vas-y, dis-moi. Maman, je vais m'en aller. Mais dis à ta folle de soeur si elle revenait. Partout au moins, je vais la rencontrer. Même si je ne serai pas prête pour la bagarre, je vais la frapper. Si je finis avec elle, je reviendrai ici pour te frapper ici dans votre maison. Je ne vous condamne pas du tout. C'est la faute à Flore qui est venue nous unir. Hein? Dégage. Je t'aurai. Toi, disparais. Thank you.
jeune sœur, pourquoi tu ne m'aimes pas? Dis de réfléchir. Regarde d'où nous venons. Regarde Papa Do. Qui est-il? Tidé, n'est-ce pas toi qui me disais que Papa Do était un ange que Dieu avait envoyé juste pour nous? Pourquoi tu en dis sur ton cœur, la fille de ma mère? Tu ne sais pas de ma faute. Je ne peux pas te placer sur un mauvais chemin. Fais ça pour moi. Ma jeune sœur, s'il te plaît, je t'en prie. Fais-le pour moi. Si vraiment tu m'aimes, fais ça. Je garderai ces secrets durant toute ma vie. Tu n'iras aussi nulle part. Tu seras seulement ici. Fais ça, s'il te plaît, ma jeune sœur. S'il te plaît, fais ça. Écoute, Flore, je ne t'ai jamais refusé un service. Depuis qu'on était enfant jusqu'aujourd'hui, je ne t'ai jamais refusé un service. Mais pourquoi tu n'arrives pas à me comprendre, Flore? Que dira le monde? Pourquoi tu n'arrives pas à me comprendre, Flore? Je comprends ce que tu ressens, ma sœur. Je ne peux pas te refuser ton bonheur. Pour ton bien, je vais le faire. Mais Flore, pas ça. Je ne peux pas faire ça. Non, tu n'arriverais pas. C'est pratiquement impossible. Tu es ma seule sœur. Je n'arriverai pas. Je ne peux pas faire ça. Je t'en supplie. Pardon. Quelqu'un de l'extérieur le fait. Hein? Flore? Flore? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Un papa d'eau, ce sont les dents qui la dérangent. Flore, Tidé. Papa Do. C'est quoi? Les dents. Oh! Ça me fait donc très si mal. Elle a mal, elle pleure, toi aussi tu dois pleurer? Hein, hein, Flore? Je n'arrive pas à supporter. Elle m'a dit qu'elle a très mal à la tête. Flore, soyons sérieux. Ce n'est pas normal. Si elle a mal aux dents, faut voir un dentiste. Tu sais là où je laisse l'argent. Quand tu avais remarqué qu'elle avait mal aux dents, pourquoi tu ne l'as pas amené voir un dentiste? Pour le premier soin avant que je n'arrive pour voir ce qu'il faut faire. Hein? Au lieu de rester là, assise, en train de pleurer avec elle au même moment. Ce n'est pas normal. Ça va, nous allons à l'hôpital alors. Flore, il faut grandir. Hein? Il faut grandir. Tu sais combien les dents font mal. Ok? Ok, papa. Tu sais bien là où je laisse l'argent. Tidé. Papa Do. Ne t'en fais pas, on va aller à l'hôpital. Hein? Tu vas voir le dentiste. D'accord. Ok? C'est depuis quand? Depuis hier. Mais pourquoi tu m'avais rien dit? Hier, ce n'était pas très grave. C'est aujourd'hui que ça s'est aggravé. Ça va, ne t'en fais pas, chérie. On va à l'hôpital tout de suite. Maman, s'il y a un problème, il faut toujours me le dire. Hein? Ta sœur est devenue négligente.
Il avait aussi tout donné. Il n'a pas eu d'aide. Alors, pourquoi je n'arrive pas à concevoir? Hein, Tanti, aidez-moi un peu. 6 ans dans le mariage. Quel est le mari qui peut le supporter? Même vous-même, ça ne vous dit absolument rien? Je pouvais bien avoir 3 enfants dans ces 6 ans que je fais. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien du tout. Flore, ton mari te dérange? Il ne me dérange pas. D'accord. Et la belle famille, elle te dérange? Tantine, dans ma belle famille, il n'y a personne qui me rend mal à l'aise. Même si jusque-là, ils ne me disent rien, je ne connais pas ce qu'ils pensent dans leur tête. Flore, tu as très bien dit. Tu n'as aucun dérangement de la part de ta belle famille, mais sois patiente. Maman, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Elle est humaine. Non. Elle est humaine. Dis-moi, dans toute la RDC, vous n'avez jamais entendu qu'une femme qui a fait 10 ans dans son mariage sans enfant, mais après 10 ans, elle a eu d'enfants. Flore, qui a dit que tu es stérile? Qui t'a dit ça? Tu auras des enfants, sois calme, mais t'es encore trop jeune. Est-ce que tu vas à l'église? Bien sûr que je prie, Sarah. Flore, j'avais parlé avec l'homme des dieux l'autre fois à l'église. Il m'avait juste réconforté, mais... Papa Do est humain. Ne sois pas pressé dans la vie, ma fille. Flore, tu vois le Dieu que nous parlons? Il n'agit pas seulement comme les hommes. Tu entends? S'il agissait comme un homme, il allait commencer à faire tout ce que les hommes lui demandent à l'instant même. Le temps des dieux va sonner un jour dans ta vie, ma fille. Tu ne t'attendras même pas que tu peux concevoir ce jour-là. Alors, la réponse des dieux vient poncer toutes les plaies que tu as connues dans ta vie. Moi, ta tante, je te suggère ceci. Prie seulement. Dieu va te répondre. Les gens qui se marient dans l'impudicité, Dieu leur donne des enfants. Et toi qui s'est marié dans la bonne voie. Et c'est que je peux ajouter, Flore. Fais très attention avec le frère aîné de ton père. Très attention, le cœur de l'homme est mauvais. Hein? Étonnant. Tu ne sais pas. Peut-être qu'il n'est pas content de te voir heureuse. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il médite contre toi. Arrête de trop t'attacher à lui. Fais très attention. Tu m'entends? Tu n'es plus un enfant, Flore. Tu sais très très bien. Tout ce qui s'est passé entre vous et votre oncle paternel. Tu sais comment vous avez souffert, comment est-ce qu'il vous a maltraité. Mais à ma grande surprise, Flore, je me vois en arrière. Moi, la mère qui t'a élevée, je suis devenue inutile. On vous regarde bras croisés quand vous partez chez lui là-bas. Vous vous confiez totalement en eux. Ce n'est pas ça. Si votre maman est au village aujourd'hui, c'est à cause de lui. La parcelle qu'il occupe, c'est à votre père. Vraiment. Il l'a arraché. Mais vous êtes toujours là, notre papa, notre papa. N'aime plus de papa. Doit-on lui apprendre? Elle le connaît très bien. Mais tante chérie, ce n'est pas que je me confie en lui. C'est juste que je me rapproche de lui parce qu'il est comme moi. Je refuse parce qu'il vous avait rejeté. Je n'étais pas bien fort pour vous élever. Tu n'allais même pas ouvrir ta bouche pour me parler. Tel que tu me vois, je suis prête à combattre pour toi. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Je suis ta mère. Je souffre pour toi. Je dois voir mes petits-enfants. Tu m'entends? Tu n'es pas stérile, ma fille. Toi, tu es une femme féconde. Si possible, on va aller voir le médecin. Ils vont te soigner, tu vas accoucher. Il n'a jamais eu de stérile dans notre famille, ma fille. Ne t'inquiète même pas. Tu auras des enfants. Ne te soucie pas. Je connais les docteurs qui sont prêts à te soigner, ma fille. Tu auras des enfants. Tu n'es pas la seule. Tantine, si c'est pour un docteur, tu n'as qu'à laisser. Moi et Papa Do avons fait tous les examens. Il n'y a personne entre nous deux qui a un problème. Si c'est comme ça, ce sont Dieu, tu vas accoucher. Ne te soucie pas. C'est Tantine Flore qui me fait attendre. Mais elle doit faire vite parce que sa mère est impatiente. Elle t'attend là-bas. Oui, franchement. Maman est très impatiente. Vraiment. Hé, hey, mon Dieu. Ma tante. Oh. Hé. Hey. Quand on part du loup, on voit sa queue. Moi, j'aime la content carrière, de pouvoir. Tidé. Maman, pardon s'il te plaît. Comment tu vas? Tu veux bien? Hé, hey, maman, tu rajeunis toujours. Oh. J'ai hey, maman, tu t'habites très bien comme une jeune fille. Voir quel âge. Elle est jeune. J'ai ma Tide qui brille. Pourquoi vieillir? Mes enfants sont là pour moi. Toi, jusque-là, tu n'as toujours pas changé. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et comment je vois la maison? Oui, ça va bien. Flore va bien? Oui, elle va très bien. Et mon beau-fils? Lui aussi va bien. C'est de ça que je parlais. Il va bien. De quoi tu parles? Hein? Pour votre maman? As-tu mis les nez de beauté? N'oublie pas les pagnes et les babouches. Elle avait vraiment insisté. Elle donne des ordres comme si elle nous avait envoyé l'argent pour l'acheter. C'est tout ce qu'on a trouvé. On a acheté pour maman une babouche. Une très belle babouche hier au marché. En tout cas, c'est joli. J'avais beaucoup aimé. Je vais aussi l'acheter. Pourquoi ne pas mettre dans un sachet? Il ne peut pas l'amener comme ça. Hein? Il faut l'acheter un sachet. Et si vous n'aurez pas de sachet par hasard, ma tante? Ok, d'accord. S'il est parti, je vais lui donner un sachet.
C'est pas aussi un problème. Je peux partir avec sa conscience. Et où vas-tu aller avec Moussa? Ça, c'est pour Moussa. Le jeune fille. Tu veux l'amener là-bas pour le donner à tes sages. Mais maman est jeune aussi. Elle est encore jeune. Elle peut porter ça. Et il me propose. Cindy. Mes soeurs vont croire que tu dis la vérité. As-tu une chérie? C'est quoi? Kiko? Oh. Papa? Ou maman? Tu n'as même pas. Donc, selon toi, moi, je n'ai pas quelqu'un au village. Écoute, là-bas au village, j'ai ma fiancée qui m'attend. À Kimpese. Et d'ailleurs, très bientôt, je vais habiter à Boma. Tu sais que je n'ai jamais été à Boma. On ira ensemble. Sérieux? Je vais t'amener là-bas. J'ai une amie avec qui on a étudié ensemble qui habite là-bas. Elle est chez lui. Ah bon? À Boma? Bien sûr. Tu sais, à Boma, j'ai des connaissances. Bébé, je n'ai pas dormi toute la nuit. J'ai pensé toujours que je dois me marier. Alors, j'ai regardé comment l'aiguille battait. Tic, 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 tic. Je n'ai aucune autre personne. À part toi. La seule et l'unique femme que j'ai, ce n'est que toi. La mère de ma fille. Ma fille s'appelle Précieuse. Donc, comme elle est précieuse, sa maman aussi est précieuse. Alors, les trios père, mère et enfant dans une même maison, c'est une bonne chose. Après notre mariage, nous irons dans notre ligne de miel à Lubumbashi. Ça sera en quelle année? Juste cette année, dans pas longtemps. Tu vas m'épouser cette année? Mais oui, je te dis, même dans 2 semaines, tout dépend de toi. Il suffit simplement de dire oui, même dans 1 semaine, c'est bon. C'est rien du tout, le mariage c'est rien. Et la validaire. La... Je ne sais même pas, tu vas m'épouser. Ça sera vraiment en réalité ou en rêve? En réalité. Lava, est-ce que je te presse? Oh non. Mais non, je ne sais pas, peut-être que tu as entendu parler d'un homme qui veut m'épouser. Il est plus riche que toi et je suis venue te dire que Lava, il y a un homme riche qui veut m'épouser. Ou je suis en train de te mettre la pression. Lava, je suis assez grande, je dois être chez moi. Pour que tu fasses tout ça. Mais coquette, je ne sais pas. Pourquoi vous les femmes, vous n'aimez pas la facilité? Hein? Je suis venue avec toute facilité. D'ailleurs, c'est moi qui te propose. Je te propose. Je te propose parce que je veux que tu sois ma femme. Je ne vois plus de raison de te faire traîner pour rien. Leader, voilà pourquoi. Qu'est-ce que tu as là-bas? Dis-moi. J'ai déjà mes 2 chaises en plastique, 3 assiettes en porcelaine et une mousse de 5 cm. De 1,90 m sur 1,20 m sur 1,90 m. Et j'ai même un projet de louer un studio de 10 dollars. Alors, dès que j'ai la maison... Après, ce sera notre mariage. Non, on va d'abord se marier et on ira habiter chez nos parents. Ensuite, on ira chez nous. Parce que le projet est en cours. Mon cher, laisse tomber. Hein? Laisse tomber là-bas. Je ne suis pas pressée. Je ne te presse pas non plus. Tel que tu me vois là devant toi. Je suis même fatiguée de te demander presque chaque jour. Tel que tu es là. Si je te dis là-bas, j'ai besoin d'un peu d'argent pour notre enfant. Appelle ma tante maternelle qui est à Luanda. Là, tu me donnes le numéro 00244 et les autres chiffres. J'en ai marre. Lava, il me faut un peu d'argent. Appelle mon frère aîné qui est en France. Tu connais son numéro. Appelle-lui, il va te donner l'argent pour l'enfant. Il te connaît. Là, j'attends le code. Et c'est tout ce que tu sais faire, Lava. Non, je ne te mets non, pas la attends, pression, coquette, papa. Ton grand frère a de l'argent. Toi, ton grand frère a beaucoup d'argent. Il a une voiture et une parcelle. N'est-ce pas qu'il peut sponsoriser sponsor. Mais il peut sponsoriser notre mariage. Où est le mal? Lava, je t'aime beaucoup. De tout mon cœur. Tu m'as offert un cadeau. C'est vraiment le meilleur cadeau de toute ma vie. C'est précieuse. Oui, précieuse. Je ne te mets pas la pression. Je n'ai pas envie de te perdre. Je ne t'ai pas demandé d'aller chercher l'argent pour venir m'épouser. Je sais que tu n'es pas sûr de toi. Parce que tu ne pouvais jamais avoir une femme comme moi. Hein? Parce qu'il y a beaucoup des hommes qui me font la cour. Mais moi, dans ma conscience. Parce que tous on a une conscience. Moi, je suis consciente que j'ai un homme et un enfant. Hein? Et ce jour-là, devant les hommes de Dieu et devant tout le monde, je jure fidélité devant Dieu et devant tout le monde. Mon Dieu, j'ai accompli ta mission. Je vais épouser ma femme et les prêtres vont me poser cette question. Pourquoi tu te maries? Pour le meilleur. Et c'est fini. Rien que pour le meilleur. Oui. Pas pour le pire. J'aime pas le pire.